Bonjour à tous, c'est Lou Pescadou et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant des articles AliExpress pour la pêche de la carpe. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tenais réellement à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir, vous êtes déjà plus de 160 à me suivre, donc merci beaucoup. Pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça me donne encore plus envie de vous donner du bon contenu. Donc, merci à tous. Donc, le premier matériel dont je vais vous parler, c'est de la tresse. La tresse, on est beaucoup à l'utiliser, de plus en plus, je trouve d'ailleurs. Le seul frein qu'il pourrait y avoir à utiliser la tresse, vous le savez tous, c'est le prix. Effectivement, les tresses de grandes marques qui sont très bonnes mais très chères avoisinent facilement les 100, 110 voire 120 euros. Donc là, je vais vous présenter une tresse que j'utilise personnellement depuis à peu près un an et demi là. J'en suis très content. Je l'utilise en lac, en rivière. Personnellement, je n'ai eu aucun problème avec. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est une tresse qui est flottante. Cette tresse, elle est vendue sur une bobine de 500 mètres. Il existe bien sûr plusieurs diamètres que vous pouvez sélectionner lors de votre achat sur le site. Donc cette bobine, elle est vendue à 15,90€ les 500 mètres. Donc j'en avais acheté 3. Voilà, j'ai garni mes 3 moulins, il m'en reste un petit peu du coup sur chaque bobine. Voilà. Ça me sert toujours pour d'autres moulins. Et je vous dis, il n'y a aucun problème avec ça, c'est un produit qui m'a donné entière satisfaction. Bien évidemment, il existe plusieurs couleurs également pour votre tresse. Moi, ici, c'est une tresse grise-noire. Il en existe de la bleue, de la orange, de la jaune. De la blanche d'ailleurs il me semble. Bref, vous avez tout sur le site, il y a vraiment un large choix durant votre commande. Donc le deuxième produit dont je vais vous parler, c'est les backlids. Les backlids, je les utilise assez rarement, mais je trouve que c'est toujours bien d'en avoir, puisqu'effectivement dans certains cas, on est obligé de mettre des backlids. On sait très bien qu'en rivière, lors des passages des bateaux, péniches, etc., ou pour des questions de discrétion, c'est toujours utile d'en avoir. Ici, les backlids que j'ai, ils sont vendus dans cette pochette. Donc, vous en avez 10 et vous avez 3 grammages. Donc, ça commence à 20 grammes, 30 grammes et 50 grammes. Moi, personnellement, c'est du 20 grammes, ça me suffit. Cette pochette de 10, elle est vendue pour 8,32€. Moi, ça me fait le backlid à 80 centimes. Je trouve très bonne astuce. Autre produit que j'utilise de temps en temps, surtout pour mes montages shodring, c'est de la pâte plombée. La pâte plombée, personnellement, je trouve que c'est hors de prix. Surtout que la plupart du temps, ça a tendance à se détacher lors d'un combat, si ça commence à frotter dans les herbiers, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on a tendance à en remettre à chaque fois. C'est quelque chose qui coûte cher. Donc cette pâte, elle est vendue avec 2 coloris. Un coloris vert et un coloris marron. Ici, c'est le coloris vert. Ce morceau de pâte est vendu à 4,83€. C'est dans une petite housse plastique et qui elle-même est vendue dans une boîte. Donc vous pouvez la mettre dans votre boîte à pêche, dans vos habits, etc. Il n'y a aucun souci de vous tâcher ou d'en mettre partout. C'est vraiment très très bien pensé quoi. Voilà, ça bouge pas. Autre chose qu'on utilise tous en tant que carpiste, c'est la fameuse bouilloire. Une bouilloire, je trouve que c'est vendu très cher pour ce que c'est. Hop. Donc, je vous propose ici, c'est le produit que j'ai acheté
C'est un produit que j'ai acheté il y a très longtemps. L'un des premiers que j'avais acheté sur AliExpress d'ailleurs, pour faire mes premiers tests. J'en suis très content. Comme vous pouvez le voir, ça fait 2 ans et demi que je l'utilise. Il n'y a aucun problème. Elle n'a pas de marque d'usure. Elle est en très bon état. Et c'est une bouilleur classique. Vous avez une poignée, un petit capuchon. Et dedans, voilà. Ça fait le taf, on met de l'eau, ça permet de faire bouillir son eau beaucoup plus rapidement que dans des bocaux classiques. Et voilà, franchement, c'est le top du top. Et en plus, c'est vendu dans une petite housse qui est ici. Donc, vous la glissez dedans. Vous avez un système pour resserrer. Et voilà, votre bouilloire, vous la mettez dans votre sac, ça vient se loger parfaitement et aucun souci. Cette bouilloire, elle est vendue à 9 euros. Honnêtement, j'ai pas trouvé moins cher sur les sites présents chez nous. Alors, un autre produit également, c'est une petite lampe. Cette petite lampe, elle me sert dans le biwi. J'étais toujours en galère avec mon téléphone, avec la torche, etc. pour allumer. Mais j'avais jamais d'éclairage fixe et permanent dans mon biwi. Donc j'avais regardé sur AliExpress et j'avais trouvé ceci. Donc en fait, ça se présente comme une ampoule classique que vous pouvez utiliser chez vous. À l'intérieur, donc vous enlevez ce qui s'apparente à une douille. Vous avez le chargeur. C'est des petites piles. Donc c'est des AAA. Voilà. Vous venez glisser le chargeur comme ceci, vous refixez la douille et là vous avez un petit interrupteur juste ici et vous avez 3 modes d'éclairage. Donc le mode normal, voilà, franchement ça éclaire très 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 bien. Un mode un petit peu moins éclairé, voilà. Et le troisième mode en flash, voilà. Ne demandez pas à quoi ce mode sert, personnellement j'en suis jamais servi. Voilà, donc produit très 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 intéressant pour nous, surtout qu'il est vendu à 1,40€. Cette lampe dispose également d'une attache en haut de la douille qui permet de le fixer sur les haillons de votre biwi, ce qui fait que ça tient, il n'y a aucun souci, ça se retrouve vraiment comme ça, en haut de votre biwi, et tout l'éclairage est diffusé sur les côtés et en bas. Alors, autre chose qui va de pair avec la bouilloire, pour faire bouillir de l'eau, c'est bien d'avoir un réchaud. Les réchauds, j'en ai trouvé et j'en ai testé un sur AliExpress qui est vraiment très très bien. Donc il est vendu dans une petite boîte, voilà, comme ceci. Donc dans le sac, ça prend pas de place et surtout il est protégé. Donc vous l'ouvrez, dedans vous avez votre réchaud, donc classique, hein. Vous avez votre bouton pour l'ouverture, fermeture et le réglage du gaz. La petite douille qui vient se loger sur votre bouteille de gaz. Le flexible. Et la partie réchaud en elle-même. Donc vous ouvrez les 3 pattes de fixation. C'est très costaud. Et voilà, vous avez votre réchaud. Posé comme ceci au sol avec votre petite bouteille ici, vous ouvrez et voilà. En plus, vous avez un interrupteur ici qui permet, je sais pas si vous allez voir ici, voilà, et avec ça, ça vous allume votre réchaud automatiquement, donc vous n'avez pas besoin de briquet, etc. Super produit et ça fonctionne du tonnerre.
Un autre produit, c'est celui-là. On était souvent en galère, mes amis et moi, pour prendre des photos tout seul, etc., avec notre téléphone. Et donc, on a trouvé ce petit système. Donc, c'est simplement un petit trépied qu'ils appellent Octopus. Vous pouvez venir loger votre téléphone ici. Donc, moi, mon iPhone, il tient largement. Donc, je vais vous faire voir. Hop. Voilà, le téléphone. Et là, les pattes, vous les manipulez comme vous voulez. C'est-à-dire, vous voulez le fixer sur une branche. Voilà, vos pattes. Et là, vous avez votre branche. Ça tient, il n'y a aucun souci. C'est super stable. Et ça vous permet de faire des séances photos tout seul lorsque vous êtes un petit peu en galère ou faire vos lives sur Facebook, etc. Voilà, c'est vraiment un super produit. Surtout qu'il est vendu au prix de 1,80€. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Voilà, bah écoutez, la vidéo est terminée. J'espère que je vous ai encore apporté pas mal de petits conseils et de bons plans pour vos futurs achats concernant la pêche de la carpe. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez bien aimé la vidéo. Pour ceux qui souhaiteraient que je leur parle d'un matériel en particulier, n'hésitez pas à me le laisser également en commentaire. Merci encore à tous les abonnés et je vous dis à la prochaine.